L'hélébore, c'est une fille du froid. C'est une plante la plus connue, l'hélébore niger, qui vous regarde bien en face, à fleurs blanches, vient de Haute-Savoie, comme l'hélébore orientale, qui fait l'objet de tout mon travail ici. À partir de ces petites dames merveilleuses qui fleurissent en hiver, j'ai croisé les pollens, sélectionné et créé des plantes à fleurs plus grandes, à tiges plus hautes et avec des couleurs plus attrayantes. J'ai été amené à être parrain de cette plante, connaissant Martine Lemonnier, qui est la créatrice de cette plante et qui travaille sur les hélébores depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc qui, gentiment, m'a demandé de bien vouloir parrainer cet hélébore. Alors c'est une plante d'hiver qui fleurit de février à presque mai pour les dernières fleurs. L'hélébore 2013, le fait déjà qu'elle regarde bien en face, qu'on puisse bien voir sa fleur et le fait qu'elle soit double. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille pour les jardins du département, qui est animé d'une telle passion, c'est une rencontre formidable et c'est l'occasion de le remercier de son efficacité et de sa disponibilité et de pouvoir aussi réunir tous les jardins importants de la région avec sa collaboration.